Aujourd'hui, tout le monde compare les prix. Vous allez dans un supermarché X, vous allez trouver le même produit à tel prix, et sur un autre supermarché où vous allez le voir moins cher, vous allez l'acheter où? Là où c'est moins cher. Après les supermarchés et les compagnies aériennes, voici les agences immobilières low cost. Leur principe, pratiquer des frais d'agence 2 à 6 fois moins chers que la moyenne et fonctionner uniquement par Internet, tout en proposant les mêmes services qu'une agence traditionnelle. Une formule avantageuse pour le propriétaire et pour l'acquéreur. Ça va me coûter 5 300 euros pour une vente de 148 000 euros. Une agence traditionnelle, c'est pratiquement le double, puisqu'une agence traditionnelle me coûterait entre 10 000 et 12 000 euros. Depuis début septembre, l'agence en ligne Efficity propose ses services à Lyon. Cette agence a créé une offre à 1% de frais d'agence. C'est environ 7 fois moins que les agences traditionnelles. Mais pour ce prix-là, c'est le propriétaire qui fait la visite. Une formule qui séduit de nombreux Lyonnais en cette période de crise. Il y a eu un abus des agents immobiliers et qu'aujourd'hui, en temps de crise, il faut faire un effort pour que les acquéreurs et les vendeurs et que tout le monde s'y retrouve. Plus les frais d'honoraires sont bas, plus on se rapproche du prix. Et plus ça se vend. Et c'est un filon qui marche. Spécialisée dans l'immobilier du Grand Lyon, l'agence peopleimmo.com génère un chiffre d'affaires en hausse depuis sa création. La clé de sa réussite, des frais d'agence compris entre 1,9 et 3,9%. Nous, on est frais plus bas. On a deux fois moins de chiffre d'affaires effectivement à chaque vente. Et ça marche très bien. Effectivement, on gagne un petit peu moins, mais on fait plus de ventes. Selon les agences traditionnelles, ces agences fourniraient une qualité de service inférieure aux clients. Ils font leur travail à moitié, j'allais dire, ils travaillent de chez eux, ils sont pas, c'est pas des vrais professionnels, je trouve. Et nous, on a une structure, on a une secrétaire à l'accueil, on est ouvert tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un qui accueille les clients, donc c'est quand même important. Hein. Ces agences à bas prix restent tout de même discrètes. Seules 3 agences low cost sont actuellement implantées dans l'agglomération lyonnaise.